Hey, salut, comment ça va? Moi, tu vois, aujourd'hui j'ai mis une petite chemise et tout parce que je suis un peu stressé, ok? Je me dis, je me mets sur mon 31 pour que tu mettes un pouce vert. Parce que si tu n'es pas pouce vert, moi je l'ai su et je suis triste. Tu veux pas me décevoir? Tu veux pas que je sois triste? Bah, tu vois, un petit pouce vert, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, peut-être. Et, je sais pas, tu mets un petit commentaire, tu partages la vidéo avec tes potes, ta grand-mère, ta soeur, ta mère, ta copine, je sais pas, toute la famille. Allez, ciao, un petit pouce vert, un petit commentaire. Ça fera l'affaire. Putain, je fais des rimes, je suis trop heureux. Allez, ciao, bonne vidéo. Salut à tous les gars, c'est Tunicats. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jouer Pay. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Et donc voilà, Jouer Pay, je vous kiffe trop cette série. Et franchement, j'adore le. Genre, sur mon ancienne vidéo, sur ma vidéo précédente plutôt, j'ai genre 100 commentaires. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tout ça. N'oubliez pas de mettre des pouces verts parce que franchement, c'est ça aussi le plus important, c'est les commentaires et les pouces verts. Bon, si vous partagez, si vous abonnez, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, si c'est que des bonus. Donc, je vous dis merci pour votre participation à cette. Cette série, hein. Franchement, c'est en plus j'ai fait exprès, j'ai fait ça pour vous, j'ai fait ça voilà pour que vous puissiez participer. Donc, on va passer directement dans l'épisode. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai choisi Reus et Dani Alves parce que vous étiez genre allez sur les 5 commentaires, il y avait genre 90 qui étaient Reus et Dani Alves. Et cette fois, je ne me suis pas trompé. Donc voilà, deux bons gros joueurs, hein, Alves qui donne bien le chemistry avec Pedro et Reus, Reus qui a encore besoin d'un petit pote quoi. Donc voilà, on va commencer directement l'épisode avec le premier match contre cette équipe de Serie A, une grosse équipe de Serie A avec Ibarbo, Balotelli, Di Natale, Vidal, Pogba, Hernanes, Caceres, Chiellini, Marchetti, Armero in forme et c'est lui qui va commencer à marquer le goal. Voilà, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça, cousin? Di Natale, 3ème minute, je me sens enculé. Puis, regarde-moi ça, je déteste quand ils sont là, ils reprennent la tête. Ils sont... Balotelli, 51ème minute. Là, je me suis dit, bon, on va se réveiller, cousin. Donc, on va marquer avec Ramsey. Donc, voilà, ça fait 5000 crédits, vu que je suis toujours en train de perdre. Mais que j'ai marqué un goal, c'est 10 000 divisé par 2. Donc, ça fait 5000 crédits. Là, avec Rumen Castro, on va marquer. Donc, ça fait 10 000 crédits. Normalement, j'aurais dû mettre 20 000, vu que quand je suis égalité, on reprend les crédits de base. Et je sais pas, le gars, là, il va décider de rage quit. Donc, ce qui nous fait 30 000 crédits, parce qu'un rage quit c'est 10 000 crédits, plus une victoire c'est 20 000 crédits, donc ça fait 30 000 crédits mon gars. Donc on commence bien l'épisode avec 30 000 crédits. Pourquoi il a quitté, je ne sais pas. Non franchement je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, on peut voir un peu le stade de mes joueurs, plutôt pas mal. De 2, j'ai gagné. On va jouer contre Zidane FC. Donc Zidane FC, 78 de notre général. Il a une équipe non rare. BPL, une bonne équipe, franchement non rare. Kevin De Bruyne, Miralas, Kone, Matt Jarvis, Leroy Fer. Tim Howard qui est très très lourd, franchement il est super fort, il va marquer et je déteste que la balle passe en dessous du joueur, mec. Donc voilà, 4ème minute, bah voilà j'encaisse, hein. Donc on continue. Ah, puis là il va avoir un pénalty, bon d'accord, Tim Howard qui a un peu fauché son joueur. Et j'étais un peu confiant parce que moi j'aime bien arrêter les pénaltys, je suis assez fort à ça. Et je vais l'arrêter, t'as cru que j'allais pas l'arrêter cousin? Eh bah si je l'arrêtais. Donc ouais, puis là il va encore marquer, donc ça fait quoi? Ça fait 3-0. Donc voilà, le Roy faire 3-0, là je me dis je quitte ou pas? Non, je quitte pas. On va faire le comeback mon gars. On va essayer de comebacker Reus qui marque 5000 crédits. C'est parti, 10 000 divisé par 2, ça fait 5000. Donc j'espère que vous avez compris. Puis là... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a marqué. Donc toujours 5000 crédits, 4-1. Ça m'a énervé. Puis là, bah, bon, voilà. Il va marquer, il va faire un petit centre en retrait, il va marquer avec Koné. Toujours 5000 crédits. Donc le comeback n'était pas vraiment on. Hein. On va dire, j'ai essayé un peu plus de sauver ma peau et gagner des crédits. Donc là, c'est Ruben Castro qui a marqué 10 000 crédits. Ensuite, il va encore marquer. Avec Kevin De Bruyne, qu'est-ce que tu veux que je fasse? 90ème minute, 10 000 crédits. Non, pas 10 000 crédits, vu que je vais encore marquer là, avec Reus, une bonne frappe, un petit peu à l'extérieur de la surface, 15 000 crédits. Donc là, en tout ça, il nous fait 45 000 crédits, si je ne me trompe pas. 15 000 crédits. 45 000. Ouais, ok, c'est bon. Donc ça finit 3-5 matchs. Et là, on va jouer contre ce gars qui a une team avec Hakim Fenway, Emile Eski, que des joueurs anglais, hein, si je ne me trompe pas, voilà, que des joueurs anglais. Et j'avais pas trop peur de cette équipe. Et là, vous allez voir Pedro qui avance, qui avance, qui avance, qui va faire un petit centre en retrait. Et Ruben Castro, Chiqui Finesse. Non, c'est pas Finesse, mais bon, Chiqui Finish. Et 10 000 crédits. Puis là, il va marquer. Là, je me dis, merde, putain, vas-y, Eski peut pas marquer contre moi, 10 000 crédits. Et malheureusement, il va marquer avec Hakim Fenway. 5000 crédits. Et là, je sais pas, mon frappe, ça a arrêté de fonctionner. Donc voilà, j'ai plus la fin du match. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Bon, d'accord, j'ai peut-être un petit peu rage quit. Bon, d'accord. Puis là, dernier match de l'épisode, je vais contre ce gars. Là, je me dis, j'avais trop bon. On va essayer de gagner un max de points. Enfin, de max de crédits contre ce gars. Il a Lampard. Manchester City. Ça me fait pas vraiment kiffer. Mais c'est pas grave. Et là,
Il va réussir à marquer au début lui aussi. Pourquoi j'encaisse tout le temps en premier? Pourquoi? Ryu Chang-yoon qui va marquer. Je connais même pas, cousin. Donc zéro crédit. Puis là sur corner, je vais marquer. 10 000 crédits. Ogbonna, toujours là. Toujours OP, Ogbonna. Et là, c'est Reus qui va faire un petit Ronaldo Chop qui va entrer dans la surface et qui va tirer contre le gardien. Qui va le repousser. Et Ruben Castro est là, 20 000 crédits, mon gars. Je parle beaucoup. Puis Ruiz qui va tirer. Mais Ruiz, je vous le conseille pas du tout parce qu'il est hyper mauvais. Voilà, je sais pas. Il est mauvais, c'est tout. Et c'est comme ça que le match va se terminer. 3-1, donc 30 000 crédits. J'étais un peu déçu parce que je suis sûr que j'aurais pu prendre beaucoup plus de crédits sur ce gars. J'aurais pu au moins faire 40 000, 50 000. Mais voilà, c'est pas trop grave. Donc, on va voir les joueurs que j'ai choisi pour le prochain épisode. Donc, on a au choix numéro 1, Xavi et Alaba. Au choix numéro 2, Schweinsteiger et Chiellini. Donc, dites-moi dans les commentaires lesquels vous voulez que j'achète. Schweinsteiger, ce serait pas mal pour donner un peu de collectif à Reus. Tandis que Xavi serait vraiment pas mal pour donner plus de collectif à Pedro et Dani Alves. Et Chiellini serait bien aussi pour donner du chemistry à Ogbonna. Donc, voilà, c'est toute une affaire du chemistry. C'est vous qui me dites ce dont j'ai besoin, ce que vous voulez voir. Et voilà, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Mettez un max de pouces verts, des commentaires, abonnez-vous et ciao!